l'ouverture d'un gros colis. J'ai une abonnée qui m'a envoyé un colis surprise. Et en fait, une petite histoire entre nous, je déteste le foot. Elle adore le foot. Moi, je suis rugby, elle est foot. Et elle s'est bien amusée parce que le colis du Colissimo, hein, voilà, mon petit Yeti. Donc en fait, comme je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, c'est pas pour exposer ce que je reçois, c'est simplement, comme je n'ai pas la personne en face de moi, au moins elle voit, je peux lui parler, et c'est quand même plus respectueux que de, même si je lui ai envoyé un message pour la remercier, mais au moins, voilà, déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça peut aussi vous donner des idées, et après, c'est déjà arrivé dans certaines vidéos ouverture de colis, que vous me demandez de faire des crash tests, chose que j'ai déjà faite. Voilà. Alors, c'est un Colissimo, il me semble bien qu'il doit y avoir une languette, voilà, tirée pour ouvrir. C'est costaud, ça! Bien sûr, je filme, hein. Caline est en train de dormir, là, elle est là, hein. Elle va bien m'embêter. Oula, dans quel sens qu'il faut que je mette ça? Oula, oula, là, là, là. Voilà, je fasse attention. Il y a encore plein de petites choses de la marque que j'aime. Alors, il y a un petit mot que j'enlève. Oh, c'est petit joli. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Vraiment superbe. Ouais, elle est vraiment pharmacie. Ben, c'est sûrement là où tu vas. Enfin, elle est vraiment géniale comme pochette. Ça fait penser à mon travail. C'est top. Alors, donc, je regarde ton petit mot. Oh, ma collée, la fée clochette. Coucou, ma petite fée. Les petites fées. Un colis vide placard. J'espère qu'il te plaira pour découvrir certaines choses. Alors, oui, donc, en fait, Aurélie, mon abonnée, elle est beaucoup plus soin que make-up. Elle s'y met un petit peu, mais elle est beaucoup plus soin. Et elle me fait découvrir énormément de choses. Elle m'a fait découvrir la mousse nettoyante de chez Nuxe, je vous en ai parlé. Celle que je suis en train de me servir, l'eau démaquillante au bleuet de chlorane. Elle me fait des masques Caudalie, masque Aven. Elle me fait découvrir plein de choses. Je t'ai mis... Ah, des cotons, j'avais compris, des cartons. Oh, je me dis, attends, à la fumée. Je t'ai mis des cartons parce que j'en raffole. Pour ma peau sensible, bah ouais, bah moi j'ai une peau aussi sensible, peut-être pas autant que toi. Bah oui, hein, je compte pas changer, ça, ça ne craint pas, vous. Je garde mon sale caractère. Alors déjà, je vais prendre ce qui est tombé, donc c'est des petits échantillons. Baume liftant regard, oh bah impeccable. Chez Caudalie, celui-ci je ne le connais pas. C'est une marque que j'adore, Caudalie, vraiment que j'adore. Sérum défense anti-rides. J'avais dit que lui, je le prendrais sûrement quand j'aurai fini 1, 2, 3. Quand j'aurai fini ma gamme, vous savez, Biotherme que j'ai eu avec Octoly. Alors. Ah, c'est ça, les cotons doux que tu me dis. D'accord. Donc, elle m'a mis des cotons qui sont extrêmement doux, vu qu'elle a la peau très sensible. Donc, elle me fait découvrir ces cotons-là. Ça me dit quelque chose, ces cotons-là. Je ne sais pas si c'est au travail, non. Je ne sais pas. Ben, je vais tester et ça tombe bien en ce moment parce que j'ai un bobo à mon œil. C'est pour ça que je ne suis pas maquillée. Ça fait bizarre, hein, mais bon, c'est la réalité. Voilà. Alors, on va retrouver un masque crème hydratant. Alors, celui-ci, je l'ai. Je ne l'ai pas fini, mais j'adore. Donc, backup. Backup, backup Sandrine. Donc en fait on peut le retirer soit à l'aide d'un coton, soit à l'eau, et il est vraiment bien ce masque. Il est vraiment sympa. C'est la spécialiste, elle, des masques aussi. Ensuite, ah bah Dove, je l'ai aussi et je l'aime bien, mais ça tombe bien, je vais le mettre de côté, je vais l'emmener à mon travail. Parce que j'ai un Rexona en petit comme ça, je sais pas vous, mais moi le Rexona, quand je pulvérise, ça m'attrape la gorge, je tousse. Donc j'avais dit que je voulais emmener un petit Dove. Et ben c'est parfait. Pile poil, mon gars. Alors, l'Eno, je n'ai jamais testé et j'ai voulu tester, mais je ne l'ai point fait, mon gars.
Ouais, il faut que j'arrête de dire manga, c'est pas chez nous, ça. Enfin, puis avec ma soeur, on fait que de le dire. Ça sent bon. C'est à quoi? Ah bah oui. Monoï de Tahiti, ça peut que sentir bon, mes odeurs préférées. Alors l'Eno, oui, ils font plein de gels de douche. La parapharmacie où je vais aussi, ils en font plein. Oh, la fleur d'oranger, je sais plus si j'ai testé celui-ci. Le saut bioéthique. Ça, vous m'avez déjà vu utiliser des produits comme ça, mais ça remonte à longtemps. J'avais acheté celui au Coca-Cola pour Lisa quand elle était plus petite, qui sentait vraiment très bon. Et voilà, j'ai arrêté parce que maintenant c'est une jeune fille, elle est plus dans ces odeurs-là. J'ai acheté la bébé crème sous beauty qui était vraiment très bien. J'ai dû acheter un démaquillant aussi, je me souviens plus. Ça fait longtemps que je ne suis pas retournée. Ouais. Ah ouais, tu m'as scotché. T'as bien fait de scotcher parce que ça peut virer. Et c'est Léa Nature maintenant sous beauty aussi. Enfin, ils ont sûrement été rachetés d'ailleurs. Mais il y a, ouais, Léa Nature. Ah bah, je vais pas arriver à enlever le scotch. Donc les produits sobiotiques, pour celles qui ne connaissent pas, je sais qu'il y en a Super U, je me demande s'il n'y en a pas aussi à Leclerc. Et c'est des produits qui sont sans savon, sans colorant, sans parfum, sans sulfate, sans parabène, sans lufexi, fixitine, atoll, je ne sais pas quoi. Ah, ça sent bon. Moi, j'aime bien la fleur d'oranger parce qu'en fait... Oui, donc je disais que la fleur d'oranger, en fait, ça m'apaise et certes, une odeur de fleur d'oranger, ça me fait penser au bébé, à une odeur de bébé. J'ai dû utiliser quelque chose comme ça pour ma fille étant bébé, mais j'adore et ça m'apaise énormément. Tout ce qui est monoï, tout ce qui est fleur d'oranger, la lavande un peu moins, j'aime bien la sentir, mais à petite dose. Mais monoï, fleur d'oranger, fleur de tiare, fleur de coton, fleur de cerisier, pamplemousse, agrumes, c'est des choses qui m'apaisent vraiment et que j'aime beaucoup. Alors, on continue, dis donc, tu m'as gâtée, madame. Ah, ben, un inconditionnel. Tu sais que j'ai fini celui-là, pratiquement, que tu m'as envoyé, parce que Lily s'y met aussi. Donc, d'ailleurs, il sera dans mes produits terminés, qu'il va falloir que je fasse, parce que ça déborde. C'est bien sûr le petit Marseillais, et ça, de toute façon, tous les laits du petit Marseillais. Je dois dire que je crois que je n'ai pas testé de gel douche, le petit Marseillais. Peut-être celui à la fleur d'oranger, mais je ne m'en souviens plus. Donc, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, les laits comme ça, mais c'est de la bombe. L'huile sèche, le petit Marseillais, aussi, couleur jaune, c'est de la bombe. On trouve des petits trésors à petit prix. Hein. Donc là, c'est fluide, soin marin, hydratation pour peau sèche, algues méditerranéennes et minéraux marins. Et c'est vrai que ça a une odeur agréable, hein. J'aurais pas cru, tu vois, mais ça a une odeur agréable. Et franchement, moi, ça m'hydrate vraiment la peau. Souvent, je le mets après le rasage. Et ça m'apaise vraiment le feu du rasoir. Oh, bah c'est... Oh, bah t'as pas fini de t'en servir. Oh, bah je suis très, très, très contente. Tu me l'avais offert en petit et j'attendais que l'été arrive pour pouvoir l'utiliser. Et là, je l'ai en plus grand. Tout le monde connaît Nuxe, huile prodigieuse, huile sèche, multifonction, visage, corps, cheveux. Donc moi, c'est surtout pour le... Après les cheveux, je ne partirai pas en vacances cette année, donc voilà. Peut-être, je dis bien peut-être, à l'île de Ré pendant 3 jours. Une surprise de mon chéri qui n'est plus une surprise parce que je l'ai grillé. Oui, oui, oui. Ah, bah tu m'as mis du scotch aussi là. Je vais pulvériser quand même ce que j'ai pas fait avec. La petite, et c'est un précieux, mon précieux. Donc j'attendais justement, oh là là. Oh, ça sent divinement bon. Je comprends les filles pourquoi elles disent que c'est un de leurs chouchous. Moi, ça sent super bon, vraiment super. Et moi, j'adore, alors, ces huiles comme ça et d'autres que je vous présenterai dans lundi, viens boire un café, où il est déjà passé, je ne sais pas du tout. Le lundi, viens boire un café avec moi. J'aime les huiles pailletées, les huiles sèches pailletées. Et une, c'est la marque Lovea que j'adore. Elle est micro pailletée, mais à fond les paillettes et l'huile. Et en plus, il y a un côté hydratation. Ça, je vais le mettre le matin. Le soir, je vais plus mettre, vous voyez, l'huile un peu comme celle-ci, l'huile marseillais, du petit marseillais, ou alors l'huile de chez Yves Rocher au monoï. Divin, j'adore. Souvent la routine du monoï, je me le fais le soir, je me le fais pas la journée parce que la journée j'aime quand même bien mettre mon parfum à moi, donc je vais aller plus vers des petites choses
un peu neutre, qui ont une petite odeur légère, mais un peu neutre. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. En tout cas, merci beaucoup, Rémi. Vraiment, merci, merci, merci. Je suis vraiment contente. Il y a encore plein de choses. Waouh, cool. Ah, je voulais la tester aussi, mais... Bah, normal, t'es bélier, donc tu lis dans mes pensées. Ce que t'aimes, je dois aimer aussi, de toute façon. L'huile de chez Caudalie, et ça, c'est Gracia. Alors, je vais la mettre un peu sur mon autre main, qui l'adore, cette huile-là. Et alors, elle est un peu plus épaisse, elle est un petit peu plus grasse. Hein. Vous voyez, là, je viens de faire la comparaison. L'huile Nuxe, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, elle va vite pénétrer. Celle-ci, elle est un peu plus épaisse, ouais. Ah, c'est pas la même odeur, c'est pas pareil. Et ben ouais, l'huile divine, oh là là là, qu'est-ce qu'elle est douce, on a la peau douce. Et ben je serais plus tentée par mettre celle-ci vraiment le matin, que je puisse mettre mon parfum. Ah ouais, vraiment super. Alors après, tu m'as mis savon gourmand, nettoyant exfoliant, éclat d'amande, l'Occitane. Ah ouais, ils font ça, cool. C'est génial ça, ben on va tester ça aussi. Et bien, je vais pouvoir le comparer avec celui d'Yves Rocher. Je vous en ai parlé, j'avais reçu via Octoly. Et du coup, je vous avais dit que moi, ça m'accrochait trop la peau et ensuite ça me démangeait parce que j'ai besoin d'hydratation. Donc, je vais pouvoir tester l'Occitane. Voilà, nickel. Ensuite, j'ai même mis des échantillons, un ballon là. Et puis, oui, encore un produit, des échantillons. Ah bah Saint-Gervais, je connais. Alors je vais enlever les échantillons, je vais commencer par les tout petits, les petits tubes. Waouh. Alors on a le lait démaquillant douceur, je le connais, il est vraiment génial aussi. D'ailleurs je l'ai presque fini, à l'amande et au bleuet. C'est le tonique qu'il fallait que je compte, que j'achète. La crème hydratante défatigante, la crème prodigieuse de chez Nuxe. Oh là là, alléluia, je n'ai plus de contour des yeux, et voilà, tu arrives, tu es mon dieu du soin. Merveillance experts yeux, contour des yeux liftant, rides installées, comble anti-poche, anti-cerne et tout ça, de chez Nuxe. Nickel, alors toi t'as intérêt d'être mon pote. Ensuite, bah j'adore, hein, crème de main pour l'Occitane, à l'amande, il y a une huile... Huile à l'amande, oh, c'est dans la gamme. C'est une huile pour le corps de chez l'Occitane. C'est qui Mimi? Eucérin, je connais de nom. Hydratation longue durée. Ça, ça va pouvoir aller à Lily parce qu'elle a vraiment, elle, des fois, la peau sèche sur le corps et elle commence à avoir la peau grasse au niveau du visage, mais que ça grasse, mais la peau sèche. Sérum défense anti-ride de chez Caudalie. Furterer, c'est une super gamme. Ah, je l'ai eu ça. Cheveux colorés, il est vraiment génial. D'ailleurs, vous retrouvez dans mes playlists, c'est dans mes anciennes vidéos. Alors, je ne sais plus si c'est dans les revues, je pense. Je vous ai fait toute une vidéo sur les produits que j'utilisais à l'époque parce que je perdais mes cheveux et j'avais été voir un professionnel vraiment niveau cheveux qui avait... ausculter mes cheveux et qui m'avait conseillé vraiment cette gamme là avec tous les produits. Et du coup j'ai une toute petite huile comme ceci, et si tu n'y vois pas d'inconvénient, Aurélie, comme je l'ai, je vais la donner à ma mounette parce qu'elle voulait justement la tester. Je me demande si elle en a pas déjà une, mais bon, je vais voir ça avec elle. Voilà. Et bien, en tout cas, je suis comblée. Il fallait pas, je le dis à chaque fois, je te l'ai dit en message, mais en tout cas ça me fait énormément plaisir. Tu me fais découvrir plein de produits à chaque fois. Et c'est des choses que j'aime énormément en plus. De toute façon, tu connais mes goûts. Puis on est un peu pareil, malgré que tu ne te maquilles pas. Commence à te mettre un petit peu de vernis, madame. En tout cas, c'est vraiment super. C'est vraiment génial. Ah non, bah j'ai pas fini. J'ai encore mes petits échantillons comme ça. Parfum divine. Ah, dis-moi que c'est le parfum de thé. Parfum de thé. C'est lequel, celui-ci? Parfum de Caudalie, on va pouvoir tester, lui je le connais pas. On a la crème fondante, on a la crème sorbet. Alors ça, je vous ai fait une revue hein, sur cette crème là, sur ma chaîne. Elle est vraiment topissime avec le sérum. Saint-Gervais, ah bah moi je connais hein, les soins régénérants, émollients, relipidants. Ah ouais, trop top. Mais je me demande si c'est pas maman qui adore ce parfum là.
Oh, je pense bien, mais je vais quand même le tester. En tout cas, merci. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Et Aurélie, je t'en fais un énorme. Et merci de me combler autant. Merci beaucoup. Smile and zen.